Après le rejet de l'accord sur le Brexit par le Parlement britannique, le gouvernement français a déclenché jeudi matin son plan de sauvegarde en cas de Brexit sans accord. Notre responsabilité, la responsabilité du gouvernement, c'est de faire en sorte que notre pays soit prêt, que les intérêts de nos concitoyens soient préservés et défendus. Le plan français est en préparation depuis le printemps dernier. Le gouvernement prévoit des mesures législatives et administratives pour aider les particuliers et les entreprises. Un plan d'investissement de 50 millions d'euros pour les aéroports et les ports français a été décidé. Ce sont les infrastructures qui seront les premières affectées en cas de sortie brutale du Royaume-Uni de l'Union européenne. L'État français va également accélérer la procédure de recrutement de quelques 600 agents, des douaniers, des vétérinaires ou des auxiliaires pour anticiper les nouveaux contrôles aux frontières. Le Premier ministre français a également promis de défendre les intérêts des professionnels de la pêche. Un arsenal de mesures sera présenté ultérieurement.